Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous venez d'entendre cette belle parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, Jésus s'exprimait en parabole. Il tirait des exemples de la vie quotidienne pour élever les âmes de ses auditeurs aux réalités surnaturelles. Dans la parabole, c'est un genre littéraire tout particulier. Tout n'est pas à prendre à la lettre, mais c'est celui qui l'utilise qui nous indique le sens dans lequel il faut l'interpréter et ce qu'il faut retenir. Notamment dans la parabole que vous venez d'entendre, c'est un intendant malhonnête qui, prévoyant qu'il sera licencié par son maître, va tricher, va essayer de se faire des amis, des créditeurs de son maître, en allégeant la dette qu'il lui devait. Bien sûr, notre Seigneur n'encourage pas à faire cela. Il ne loue pas la malhonnêteté de cet homme, mais uniquement son habileté. Pour nous faire comprendre combien nous devons utiliser le bien de cette terre en vue de la récompense éternelle du ciel. Alors essayons d'appliquer à nos âmes cette belle parabole. Il était un homme riche qui avait un intendant. Cet homme riche, c'est Dieu, bien sûr, créateur, maître, seigneur du ciel et de la terre, qui possède tous les biens, qui n'avait même pas besoin de nous, mais nous a créés par un acte d'amour libre. Et il nous a élargi ses biens. Et nous sommes des intendants de ce maître. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Notre corps, déjà, notre corps n'est pas à nous, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu pour qu'il soit un instrument docile pour notre âme, pour qu'il nous aide tout au long de notre vie à servir Dieu, à accumuler des mérites pour l'éternité. Et ce corps a été élevé à cette dignité extraordinaire de devenir le temple du Saint-Esprit. Car Dieu a voulu faire de nous ses enfants par la vie de la grâce, et saint Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Hélas, après le péché originel, nous avons perdu les dons d'intégrité d'après lesquels toutes les facultés sensibles étaient soumises à la raison et la raison à Dieu. Voici pourquoi, quelquefois, notre corps peut nous entraîner loin de Dieu, au péché, gourmandise, impureté, paresse. D'où l'importance de le mortifier, de dompter ses passions désordonnées pour que le corps soit vraiment un instrument docile et non pas un instrument de mort. Nous n'avons pas le droit d'asservir nos corps à l'impureté. L'apôtre saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, nous le dit clairement, « Notre corps n'est pas fait pour l'impureté, il est fait pour le Seigneur. » Et encore, dans l'épître que vous avez entendu aujourd'hui, toujours l'apôtre saint Paul aux Romains nous dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Et nous rappelle, toujours dans la première épître aux Corinthiens, que « Ne vous y trompez pas, dit saint Paul, ni les impudiques, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. » Oui, nous devons pratiquer cette vertu de pureté, de chasteté, car, comme dit Jésus dans l'Évangile, « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Et cette vertu est d'autant plus importante aujourd'hui pour des chrétiens que le monde dans lequel nous vivons est plongé dans la boue. Le démon sait bien que pour détruire les âmes chrétiennes, il faut les rendre esclaves de l'impureté. Plus que jamais, un chrétien aujourd'hui doit donner ses témoignages de pureté dans sa vie. Dans tous les détails de sa vie, même l'habillement. Certes, à l'Église, bien sûr, par respect vis-à-vis de Dieu, mais même en dehors, un chrétien doit
donné cet exemple de modestie, de décence, pour, par respect pour Dieu, pour son corps et pour les autres. Et bien sûr, notre corps sera détruit par la mort, par la corruption du tombeau, mais nous les retrouverons le jour du jugement universel, pour qu'ils puissent avoir part avec notre âme à la récompense des élus. Alors les corps des élus seront resplendissants de gloire. Mais encore, hélas, pour les réprouver, leur corps participera à leur malheur. Dieu nous a doués aussi d'une âme, une âme créée à son image, avec des facultés extraordinaires, l'intelligence qui est faite pour connaître la vérité, les vérités, bien sûr, qui nous entourent, la connaissance du monde qui nous entoure, mais aussi, et je dirais surtout, les vérités surnaturelles qui nous sont si nécessaires pour parvenir au but de notre vie, que notre sanctification, notre salut éternel. Voici pourquoi nous devons vraiment faire fructifier ces facultés que nous avons, intelligence, mais aussi volonté faite pour aimer le bien que nous avons connu. Mais notre âme a été créée aussi à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a voulu nous donner la vie surnaturelle de la grâce, a voulu nous introduire dans sa vie intime pour que nous puissions l'appeler Abba, Pater, Père, et espérer la récompense des enfants. Oui, l'âme créée à la ressemblance de Dieu avec les vertus surnaturelles et tous les talents d'ordre naturel que Dieu nous a donné, que nous devons faire fructifier pour les biens, pour acquérir les vertus, pour le bien de notre âme, pour le bien de la société, pour le bien du prochain. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Mais l'intendant de l'Évangile gaspille les biens de son maître. Et cet intendant, c'est l'image, hélas, de beaucoup de chrétiens qui dilapident le bien que Dieu leur a donné, en les utilisant pour chercher le bonheur loin de Dieu et même pour offenser Dieu. Que fait-il le pécheur? Il utilise tout ce que Dieu lui a donné, son corps, son âme, ses facultés, pour l'offenser. Est-ce qu'on se rend compte de cela? Dieu qui nous soutient dans l'existence, sans quoi nous tomberions dans le néant, et le pécheur utilise tous ses dons de Dieu pour l'offenser. Quel mystère! Mais voici que, comme nous dit la parabole, voici que le maître vient à savoir que son intendant triche, qu'il est malhonnête. Il l'appelle pour qu'il puisse rendre compte de sa gestion. Oui, Dieu nous appelle à rendre des comptes. Remarquez que dans l'Évangile, le maître n'enlève pas tout de suite la gestion de ses biens à son serviteur. Et de même fait Dieu. C'est clair que nous devrons rendre compte à Dieu après notre mort de ce que nous avons fait, de tout ce qu'il nous a donné. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il nous prépare souvent à ces moments. Il nous prévient d'une façon ou d'une autre, par une prédication comme peut-être celle-ci, par, que sais-je, la mort d'un ami, un membre de notre famille, une maladie. C'est Dieu qui est là, qui frappe à la porte de notre cœur pour nous rappeler que nous devrons un jour rendre des comptes précis de tout ce qu'il a fait pour nous, de tout ce qu'il nous a donné. Et alors, voici pourquoi il faut bien utiliser des biens de cette terre, car un jour viendra pour nous tous, et nous ne savons pas quand, notre âme se présentera devant Dieu pour être jugée.
les jugements particuliers. Oui, à cela fait allusion aussi cette parabole. Au moment de notre mort, notre âme paraîtra devant notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir cette sentence qui décidera notre éternité pour toujours. C'est la foi qui nous le dit. Et l'Écriture sainte, il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous rappellent ces moments et la nécessité de les préparer par notre vie. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre saint Paul nous dit « Il a été établi une fois pour les hommes de mourir, et après la mort, il y aura les jugements. » Dans l'Épître aux Romains, saint Paul nous dit que Dieu rendra chacun selon ses œuvres. Chacun recevra son propre salaire, selon son propre labeur. Et dans l'Épître aux Galates, toujours le même apôtre nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce que l'on sème, on le récolte. Qui sème dans la chair, récoltera de la chair la corruption. Qui sème dans l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Souvenez-vous de cette belle parabole dans l'Évangile du pauvre Lazare et du mauvais riche. Tous les deux viennent à mourir. Le pauvre Lazare est amené dans les seins d'Abraham pour recevoir la récompense de sa vie de souffrance, les mauvais riches en enfer. Autre passage de l'Évangile, c'est celui du bon larron sur la croix, qui nous montre comment le jugement de Dieu s'est fait tout de suite après la mort. Jésus promet le ciel au bon larron. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. Alors, quand cela se passera, tout de suite, au moment où notre âme quittera notre corps, elle paraîtra devant Jésus. Et nous devons être toujours prêts, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Il y a encore une belle parabole dans l'Évangile où Jésus nous montre un homme qui avait pour but d'accumuler du blé dans ses greniers. Et une fois qu'il en avait accumulé une quantité extraordinaire, il s'est dit à lui-même, « Mon âme, repose maintenant en paix. » Et Jésus lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. » C'est terrible de penser sa vie derrière de biens périssables qu'on perdra, qu'on devra quitter au moment de notre mort. Et l'accusé sera notre âme, avec ses œuvres, toutes les grâces reçues, tout ce que nous aurons fait tout au long de notre vie. L'accusateur, notre conscience, qui sera là, éclairée par la lumière divine, là nous comprendrons enfin la gravité du péché qui offense Dieu, la vanité de bien de ce monde. Et il y aura aussi le démon qui sera notre accusé, témoin de nos fautes, de nos péchés, qui rappellera les promesses de notre baptême par lesquelles nous avions renoncé à lui, Satan, à ses œuvres, pour être disciples de Jésus-Christ. Et il montrera comment et combien nous n'y avons pas été fidèles. Et le juge, notre Seigneur Jésus-Christ, infiniment bon, mais aussi infiniment juste, lui qui a versé son sang pour nous racheter, pour nous prouver par son sacrifice la gravité du péché, la nécessité de nous convertir pour ne pas perdre nos âmes, pour ne pas tomber en enfer, sera lui qui nous jugera. Et après notre mort, ce n'est plus le temps de la miséricorde, mais le temps de la justice. Et la matière, ce sera bien sûr toute notre vie. Le bien accompli, mais aussi le mal, avec toutes les circonstances, toutes nos fautes les plus secrètes. On a tellement honte quelquefois de nous approcher du sacrement de pénitence, là pour demander le pardon de Dieu de nos fautes et de nos péchés. Là, tout sera dévoilé. Mais le péché desquels on aura demandé pardon, eh bien, ne seront plus à notre charge. Ce sera même pour nous l'occasion d'avoir témoigné notre repentir et de les avoir réparés. Donc c'est maintenant le temps de la miséricorde, le temps du salut. C'est maintenant que nous devons utiliser tous les biens de notre Maître pour
notre sanctification, car cette sentence sera pour l'éternité. Ces paroles que Jésus prononcera pour les justes, viens, bon et fidèle serviteur, recevoir la récompense qui a été préparée pour toi depuis les commencements du monde. Quelle joie à ces moments pour les élus. Venez les bénis de mon Père, entrez dans la gloire. Mais alors encore ces paroles terribles pour ceux qui mourront en état de péché mortel. Éloignez-vous de moi, maudit au feu éternel. Est-ce que nous avons pesé ces paroles? Toute leur gravité, il faut les méditer pour nous éloigner du péché, pour changer notre vie, pour nous donner à Dieu totalement. Craignons le sort qu'a eu le roi Baldassare dans l'Ancien Testament, ce roi de Babylone, à qui Dieu avait révélé qu'il avait été pesé sur la balance et trouvé trop léger, trop léger. Et la nuit même, voici que ce roi va mourir et paraître devant Dieu. Et au moment de notre jugement, nous comprendrons que même une vie passée dans l'épreuve, dans la douleur, dans la souffrance, n'est rien en comparaison de la récompense que Dieu nous a préparée. Nous comprendrons aussi qu'une vie passée dans la jouissance des biens de ce monde a été une vie gaspillée, car elle aurait fait perdre Dieu et avec lui tous les biens, et ceci pour l'éternité. Alors, il ne nous reste qu'à préparer notre jugement particulier. Comment le préparer? Par une vie conforme à la loi de Dieu, par une vie de prière, en nous approchant des sacrements, notamment le sacrement des pénitences. Vous savez, quand on doit subir un jugement, il est très important d'avoir un bon avocat pour pouvoir être défendu en justice. Eh bien, il y a un avocat qui peut nous aider ce jour-là, et c'est la Vierge Marie. Nous l'invoquons dans le Salve Regina, et il y a ergo advocata nostra, notre avocate. Si tout au long de notre vie nous aurons eu une dévotion profonde pour la Vierge Marie, si nous l'aurons priée par notre chapelet, alors elle sera là pour nous défendre comme une mère peut le faire pour son fils. Alors prions-la pour qu'elle nous aide à méditer, à comprendre la vanité du monde et à nous donner à Dieu, et nous détacher des biens apparents, vivre dans la pureté pour que Jésus puisse habiter dans notre cœur, pour que nous puissions vivre toujours davantage unis à lui et un jour recevoir la récompense des élus au ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.